Et salut tout le monde! On se retrouve pour la suite d'Uncharted 4. Donc, avant de commencer, deux choses. Mon logiciel s'est remis à zéro pour filmer. Du coup, je me retrouve avec les réglages qui ont été remis à zéro. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son, comme au début du let's play, parce que ça m'a vraiment saoulé de régler tout ça. J'ai fait quelques tests un peu avant, ça a l'air d'aller. En plus, j'ai changé de micro, donc tant mieux. L'autre chose, c'est que oui, alors je choisissais le chapitre à rejouer, et j'ai vu qu'il y avait le mode extrême de débloquer. Et donc, vu qu'on en est à la fin, on est au chapitre 21, et il y a 22 ou 23 chapitres, j'ai mis le mode extrême, donc on va rigoler, je pense. Enfin bref, voilà, c'était les deux petites choses à dire. Donc, on va continuer de chercher Sam. Donc, ça fait un moment que j'ai pas joué. Quoi ça? Je Des mets le traces mode de extrême, mais pas. je me souviens Sam! même plus des touches. Très bien, ça commence Oh, bien. c'est Ma pas batterie vrai. faible. J'étais sûr qu'il est déjà loin maintenant. Je vais la changer maintenant, hein, tant pis. Attendez, attendez, attendez. Hop. Changement de manette en direct. Comme par hasard, dès le début, hein. Dès que je commence. Hop là! Mais si, ça va pas marcher si je la branche pas. Hop là, voilà. Donc j'espère que j'ai pas déréglé. Non, c'est bon. Le micro. Ok, on est parti. Cette fois, ça a l'air d'être bon. Donc, oui, Sam était parti à la recherche du trésor d'Avery. On a voulu le Il sauver m'avait l'air avec cependant d'être Elena et flippante, Sully, sauver mais. Sam et me tirer d'ici. Eh ouais, demain, on rira bien de tout Mais ça. c'était pas concluant, vu que Sully et Elena se sont séparés de nous. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Je vais monter un peu le son pour moi parce que je l'entends même pas. En plus il y a la Play 4 qui souffle, alors c'est assez fou comment elle souffle la PS4. Ça me le fait que sur Uncharted et dans les menus. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout dans les menus que la PS4 elle surchauffe. Dans Metal Gear Solid V, c'est dans les menus qu'elle chauffe le plus. Uncharted aussi. Le menu de départ, elle a soufflé. J'ai cru qu'elle allait mourir, ma PS4. Voilà, la piste reprend. Les traces s'arrêtent là. Il a dû sauter en grappin. Ouais. Allez, par où il est parti? Ah là. Ouais, donc dans les menus. On va bien voir. Hein. Hop là. Alors je sais pas si ce sera la dernière vidéo. Je sais pas si les deux ou trois derniers chapitres sont longs. Je pense oui quand même. Donc bon. En plus on aura deux boss. Enfin je pense. Deux boss finaux. Il y a Nadine et Rafe à s'occuper donc. Nadine, je pense que ce sera un Pas de boss traces. de corps à corps. Non, tu t'es pas Mais encore Rafe. écrasé comme une merde. Déjà ça, j'ai encore une chance de te buter. je rigole des conneries de Nathan. Oui, Nadine, je pense que ce sera un combat au corps à corps. Ça me semble le plus logique. Mais Rafe, je pense que ce sera plus genre. Il est dans une voiture, ce sera une course-poursuite ou une connerie du genre. En tout cas, les paysages sont beaux quand même. Waouh. Ok, oh là putain. J'ai cru que j'étais tombé. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas vérifié avec ce micro, c'est si on entend la manette en fait. J'espère pas. Et aussi, j'ai vu que même si je mettais le son à fond, il n'y avait pas d'écho dans le micro, avec ce micro-là. Mais je préfère ne pas tenter le diable. Je mets le son comme d'habitude. En plus, je suis habitué comme C'est ça, quoi ça? donc. De quoi? Ah, d'accord. Donc, tant pis. Oh, c'est Ah, le une lettre. petit-fils de Burns. Le petit-fils de Burns, oula. 1808, ok. Bah, c'est la même date que les autres, il me semble.
Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je m'en souviens plus trop. Enfin, que les autres lettres. Alors, même si j'ai réussi à retirer la balle que AS m'a logée dans ma cuisse, ma plaie suppure et ma fièvre ne se calment pas. J'ai hâte de savoir ce que renferme la montagne, mais la douleur n'est est par. Mais la douleur est par trop insupportable et je dois me reposer, d'accord. Reprendre des forces. À chaque moment de répit, le doute s'empare de moi. Ai-je eu tort de punir les hommes que, pour n'avoir pas honoré leur contrat avec moi? C'est écrit dans un vieux. Enfin, c'est super soutenu. J'ai consacré ma vie à retrouver ce lieu, à retrouver le trésor d'Avery et leurs actions ont failli me priver de ma destinée. Non, mes décisions étaient justifiées. Ce soir, je me repose. La fièvre va tomber et demain, je finirai le voyage de mon grand-père. Ensuite, à mon retour du pays, au pays, j'écrirai mes exploits, un livre de Jonathan Burns, qui figurera dans les bibliothèques aux côtés des histoires des plus grands aventuriers. Ah, au pire des cas, je perdrai cette jambe. Mais au bout du compte, j'aurai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Et Claire sera fière de moi, enfin. Claire, pardonne-moi. Ah, c'est lui qui a écrit le livre préféré Vraiment de. chouette, Ah, Paul, merde. ami. Tu Attends, avais presque examiner. atteint la ligne d'arrivée, mais tu t'es fait battre. Attendez, on pouvait le tourner. Ah, c'est elle, Claire. Il y a marqué quoi? Feuing. Non. J'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Tant pis. Ok, donc c'est lui qui a écrit le livre préféré de Sam, si j'ai bien compris. Parce que Sam avait dit quand on était petit là Encore que des c'était traces. son livre préféré qu'on avait trouvé dans le manoir. Encore des traces. On entre. Sam! Ça va se casser, voilà, j'en étais sûr. C'était tellement prévisible que que ça m'a même pas que ça m'a même pas surpris. Y a rien en bas, non. Oh putain, je suis fatigué. En tout cas, ouais, il n'y a pas eu Ah, te de. voilà. Il n'y a Allez. pas eu de monstre Allez. surnaturel. Il n'y a eu que des momies explosives. Un peu déçu. Enfin, même pas en fait. Oh, Wow. Ok. Un peu déçu. Enfin, je suis même pas déçu en fait. Enfin, je m'attendais à en voir. Mais d'un côté, c'est pas logique. Enfin, je veux dire, les monstres dans Uncharted, ils sont plus ou moins réalistes. Enfin, j'ai pas envie de dire réalistes, mais par exemple, les zombies d'Uncharted 1, bon, c'est pas vraiment des zombies, mais c'est des gollums. C'était de mémoire, t'es dans un espèce de bunker allemand, etc. On pouvait penser que c'était une expérience. Quoique, non, même pas en fait. Non, je dis de la merde, je dis de la merde. Ouais, non, c'était vraiment surréaliste. Mais après, il n'y en a plus. Enfin, Uncharted. Si, Uncharted 2 aussi. Mais encore à la limite. Oh. Oh, un putain de gros rat. À la limite, un. Une sève qui rend immortel. Enfin, pas immortel. Quoique, ouais, si, c'était surréaliste en fait. Je dis de la merde. Je dis de la grosse merde. Il n'y a qu'Uncharted 3 où, au final, on sait pas si c'était. Une hallucination, les jeans, ou si c'était. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça en plus. Mais bon, bref. Ouf. Allez. Ah putain, c'est plus dur que ce que je croyais. Ok. Oh là, j'ai un peu bugué là. Hop, le truc va se casser, j'en suis sûr. Oh. C'est bon. Oh, non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. J'ai réussi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi.
faut descendre un rappel. Ouf. Oula, oula, un gros navire. Ah, c'est le navire d'Avry carrément. Ah bah c'est bon, on y est. Ok, bah il y a une chance que ce soit le dernier chapitre, peut-être. Oh là là, une bataille navale, j'aurais tellement aimé voir ça. Genre le navire qui reprend vie, enfin qui reprend vie, qu'on réutilise. Et un combat sur la mer et tout, ça aurait été tellement épique. Enfin, ça serait plutôt sur... Mais je pense pas que ce soit ça, parce qu'on est dans une caverne et... Quoique je suis con, s'il est là le navire, c'est qu'il a pu rentrer. Ouais, si, en fait, c'est... Ouais, je pense qu'il peut sortir, je sais pas. Vous imaginez, on aurait fait le tour de l'île en bateau. On serait tombé sur une grosse grotte. On aurait vu le navire. Voilà, on aurait trouvé le trésor. Je sais pas. Non, je pense pas qu'il est sorti. Mais comment il serait rentré? Ok. Je vais descendre par là. Comment il serait rentré le navire? Attendez, je comprends pas. Bon, on verra quand on sera en... Quand on sera en bas. Là-bas, il y a une petite grotte, mais ce gros truc n'a pas pu rentrer par là. On verra, on verra, on verra. Donc il faut glisser là. Wow, 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 wow. Oh putain. Wow, wow, wow. Merde. Ok, c'était un réflexe. Là, appuyer sur le grappin, ça c'était un super réflexe de ma part là. T'as vraiment fait tout ça, Sam? Ça m'étonnerait. Il a sûrement trouvé un moyen de descendre au sec. Bon, 10 000 euros comme d'hab, qui est un trésor là-dedans. Enfin, sous l'eau plutôt. Ok, on va y aller de suite. J'avoue que j'ai la flemme ce soir de... J'ai envie de voir la fin. Là, on s'approche de la fin, j'ai envie de voir s'il y a un mort. Moi, c'est Uncharted 4, je l'ai acheté juste pour ça, en fait. Parce que... Moi, je voulais qu'il y ait un mort. Quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit, une bonne fin à la saga, ce serait... Une pas happy ending. Enfin... Que tout le monde soit pas super heureux à la fin, etc, etc. J'avoue que ça m'embêterait un peu. Oh. Ça m'embêterait un peu. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un mort. Donc je pensais à Sully. Ensuite, le plus évident, Sam. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien Sam. Mais ce que je préférerais, moi, ce serait Nathan. Que Nathan meure. Pour moi, ce serait le must. Bon, je vais pleurer. Je vais pleurer, je vous le dis. Mais... Je pense que ce serait bien parce qu'il a tellement fait deux fois les mêmes erreurs que au final ce serait une bonne conclusion, je trouve. Là, t'es fini ? C'est le tout dernier, madame. Bien. Ah. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. On est sous eux carrément. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avry. Qu'il y aille. On arrête. On arrête? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire, là, juste sous votre nez. Votre pirate chéri a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent... Ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. Pas étonnant que vos hommes vous aient laissé tomber. Je vous demande pardon. On est sur le... Elle transpire. D'écrire une nouvelle page de l'histoire, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir. Avec les miettes que Sam va vous laisser. S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il l'aura mérité, ce butin.
J'en dirai pas autant de vous. Oh. Ça suffit. Soit on reste là, à s'insulter toute la journée, soit on va terminer ce qu'on a... On n'a qu'à en finir pour de bon. Bon, bah on va voir qu'un seul boss final. Désolé, madame. Ah, ou pas. J'avoue que je préfère Nadine. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre. Au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble? Ou est-ce qu'on y met un point final maintenant? Allons écrire l'histoire. Je préfère ça. Oh. Après vous. Mais Sam, il est parti sur le navire? Ou il est parti de... Parce que moi, je croyais qu'il était parti, genre... Parti de la grotte, enfin... Mais ils ont dit qu'il était parti sur le navire. Je pensais qu'il avait pris un bateau rempli d'or et qu'il était parti, enfin... Ok, bon, en tout cas, il y a des tensions entre eux. J'avoue que je préfère Nadine, elle a plus de potentiel, elle est super classe. Elle a l'air d'avoir un bon passif avec... comment il s'appelle? Avec Sully. Donc ça serait pas mal que, je sais pas, qu'on ait... Bah Nadine quoi, enfin... Donc il n'y a plus d'hommes là, c'est bon. Voyons ce que t'as en magasin pour nous, Capitaine Avery. Ah. Putain, chapitre. Et il était court le chapitre 21, hein. C'était d'escalade. La fin d'un voleur. Oh là là. Alors ça c'est la fin, ok. Enfin la fin du jeu. Alors je regardais s'il y avait des trésors. Bon, je vais pas fouiller tout pour voir si c'est des... Enfin toute l'eau. Que c'est obligé qu'il y ait des trésors là-dessous. Mais bon, il faut aller sauver Sam. Comme d'hab. On peut pas monter là? Sérieux? Oula, oula, oula. Ah, je pensais qu'on pouvait monter là. Mais... Ouais, tant pis. Wow! Et j'ai sursauté. Ok, alors soit il y a un combat, soit il y a des mouvements explosifs. Merde. Sam. En tout cas, ça nous a offert un passage. C'est plutôt cool. Et ouais, on parlait des personnages qui meurent, mais au final, maintenant, je me suis bien attaché à Sam. Et j'ai pas envie qu'il meure. Ça me ferait chier. Shoreline, oula. Il faut monter ou il faut aller par là? Il faut monter. Donc ouais, je pensais que c'était Sam qui allait mourir. Donc on va bien voir. Mais j'aimerais pas, enfin ce serait pas cool. Le truc il a sauté. Wow, il est vachement classe quand même. Par là. Wow. Regarde-moi ça. Voilà ton trésor. Ah mais il est là le trésor. J'ai même pas capté que c'est le trésor, vous voyez. Ok, bon, on a trouvé le trésor, c'est cool. Ça valait le coup. Euh,
Est-ce que ça valait le coup? Bah oui. Moi, je serais à la place de Nathan, je mettrais 2-3 pièces au moins dans ma poche. Juste maintenant, juste au cas où, que ça dégénère après. Oh, tout ce qu'il y a quand même. Ah. Nate. Où est Sam? Oh, il est juste là. Ok, bon. Sam? T'inquiète pas, il est pas mort. Ce crétin a bien failli tous nous tuer. Je vais le sortir de là. Non, pas question. Tu pourras repartir avec le trésor, mais laisse-moi sortir mon frère de là. Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles. C'est noble de ta part, mais non. Si on sort pas tout de suite, on va tous y rester. C'est ça que tu veux? C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, Nadine? Ravi de vous voir sur pied. Ok. Soyez gentil et soulagez Nate de son arme. Donne-moi ça. Tu crois que tu peux lui faire confiance? Hein? Te mêle pas de ça. Qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate? Nadine et moi, on est partenaires. Et moi, j'en tue pas mes partenaires. Pousse-toi de là. Par contre, ton frère et toi, dès le début, vous avez tiré profit de ma générosité. Vous avez essayé de m'évincer, et il est grand temps que je vous donne... Qu'est-ce oh que vous faites? Vous allez me donner votre arme. Nadine? Ne me forcez pas à le répéter. Vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur. Regardez-la. Nadine, ça suffit. Putain! J'ai dit regardez! Ça va, ça va. Ce que je vois, c'est deux squelettes. Et alors? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général. Mais je devine assez facilement de qui il s'agit. C'est Avery et... C'est Avery et Tchou. Et Tchou, voilà. Ils se sont entretués. Tant mieux pour eux. Quelle importance. Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor récoltent ce qu'ils méritent. Et alors, tu vas nous laisser crever ici? Je vais juste vous laisser. Que vous creviez ou non, j'en ai rien à foutre. Nadine, attendez. Adieu, Rafe. Nadine, ouvrez-moi cette putain de porte tout de suite! Rafe, elle est partie! File-moi un coup de main qu'on sorte tous d'ici! Non. Non, ça peut pas finir comme ça. Aide-moi à libérer ça, mais je t'aide à ouvrir la porte. Non, non, j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces. Oh là. Aussi longtemps que ton vaurien frère et toi, vous serez pas 6 pieds sous terre. Ok, écoute. Calme-toi. Si tu veux, on pourra jouer au pirate quand on sera deux. Nate, ferme-la. Oh là, ça pue. Sorry, Rafe, c'est de la folie, même pour toi. Tu veux de la folie? Nathan Drake a fait la course contre une espèce de taré. Gauche, droite. Et toute son armée aux marches de Shambhala. Ah, putain! Nathan Drake a trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Ruvalcan. Allez, merde. T'es jaloux? On peut s'en sortir tous les deux. Nathan Drake fait la découverte du légendaire Eldorado. Allez, Rafe, il est jaloux. Nathan Drake est une légende. Tu sais, l'homme qui m'a dit ça, je l'ai tué. Rafe, allez, c'est bon, j'ai compris que tu m'aimais pas, mais tu... Eh ben, tu vois, Nate, malgré toute cette grandeur, tu n'as rien, tu n'es rien. Et je t'avais pourtant prévenu de ne surtout pas croiser ma route. Oh oui! Un combat à la pirate! Tellement un tactique
bande de losers. Et je vais faire en sorte qu'ils te rejoignent. Regarde, tête de nœud. Ça, c'est l'esprit. Ah. Tu battre à l'épée? Ouais. Gauche, droite, ok. Avec le bout pointu, c'est ça? Je sens qu'on va s'amuser. Ah oui! Ah oui, en même coup! Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai mis un extrême, je sais plus si je l'ai dit. Mais je sais pas pourquoi, il y avait l'extrême qui était débloqué en sélectionnant le chapitre. Du coup, j'ai mis le mode extrême, comme ça, pour le fun. J'espère que je vais pas regretter parce que Lazarevitch en extrême était horrible. Je pense qu'on va repasser en difficile. Attendez, non, là, attendez, je me concentre. Je vais tout miser sur l'esquive. Je suis pas mort, je crois que j'étais mort. On s'en fout du message. On s'en fout. J'ai reçu un message, on s'en fout. Oh non, j'ai paré, putain, j'ai attaqué, mais... Je crois qu'on peut pas parer quand on a commencé à attaquer. Donc je vais tout miser sur l'esquive. Et Ok, c'est chaud en extrême en fait. Ah c'est bon, on recommence pas du tout. Je me concentre. Attendez, vous savez quoi, je coupe mon micro. Non, même pas. Mais je me tais juste. Concentration extrême. C'est le cas de le dire. Arrête de dire des blagues. Voilà, putain, j'ai dit des blagues. J'en ai marre. Attendez, non. Parce que concentration extrême, on est en extrême, voilà, ça m'a fait rire. Ok. Je coupe mon micro parce que j'ai envie de rire. Ok, bon, ça n'a servi à rien. C'est ridicule. Attendez, hop, c'est ridicule. Ok, j'ai voulu tester un truc pour voir si on appuyait sur les deux boutons en même temps, si ça marchait pour les deux gardes, mais en fait pas du tout. Donc il faut vraiment bien jouer sur la synchro. Voilà, je... Non, en fait, j'ai essayé de jouer normalement, mais j'ai pas réussi. Je l'ai vu venir à droite, le coup. Légèrement déçu, Nate. Ah, moi aussi, je suis les déçus, Rafe. Je suis vachement déçu, quoi. Ah oui, ça c'est bien ça. Allez, la légende. Oh ! Quoi ? Mais c'était une cinématique ! Il m'a attaqué pendant une cinématique. Oh putain, moi j'étais tranquille en train de regarder la cinématique, je me suis dit il va se passer quelque chose. Et d'un coup je meurs. Ah oh, j'espère. Oh,
passe en difficile. Je suis désolé, non, on passe en difficile. Sorry, Rafe, c'est de la folie, même pour toi. Tu veux de la folie ? Bon, on recommence du début, mais bon. Qui a fait la course contre une espèce de taré et toute son armée aux marches de Shambhala ? Non, putain ! Nathan Drake a trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Rubalcan. Allez, merde ! On peut s'en sortir tous les deux ! Nathan Drake fait la découverte du légendaire Eldorado. Allez, arrête ! Arrête ! Nathan Drake est une légende. Tu sais, l'homme qui m'a dit ça, je l'ai tué. Arrête, allez, c'est bon, j'ai compris que tu m'aimais pas. Mais tu... Eh ben, tu vois, Nate, malgré toute cette grandeur, tu n'as rien. Tu n'es rien. Et je t'avais pourtant prévu de ne surtout pas croiser ma route. Ok, on va passer... On va pas. Sur le retour. J'avais pas compris ça la dernière fois. Parle pas d'Elena comme ça. Tu tiens tellement à ta petite bande de losers que je vais faire en sorte qu'ils te rejoignent. Regarde, tête de nœud. Ça, c'est l'esprit. Tête de nœud, putain. Tu sais te battre à l'épée ? Ouais, je te pique avec le bout pointu, c'est ça ? Oui, je sens qu'on va s'amuser. Ok, là c'est parti. Ok, ils affichent même les QT en difficile. Quoi ? J'ai appuyé ? Ça venait droite, on est d'accord ? Si je le vois pas, ça va être dur de... Si la caméra fait de la merde comme ça, ça va être dur de... Je serais mort 20 fois là déjà en extrême. Il faut faire un truc spécial ou parce que là c'est... J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Mais en tout cas c'est vachement classe. Un combat d'épée là comme ça. Voilà, on était à la dernière fois. C'est comme ça qu'il m'avait tué cette fois. Là je t'ai préparé là. Attendez, ça c'est la gauche? Mais oui, j'ai appuyé à gauche et non, c'est... Attendez, ma gauche. Ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Oui, j'ai appuyé à gauche, mais bon. Tant pis.
Ça y est, je vais parer. Attendez. Je me redresse. C'est chaud. Et je vais commencer à rager en plus. Quoi ? Éviter l'attaque ? Pourquoi il y a marqué éviter l'attaque ? Ah d'accord. Oh c'était classe. Voilà enfin le Nathan Drake dont on parle tant. Ok je m'en rends. On en reste là. Je prends mon frère et on s'en est là. Si tu veux rester brûlé ici, te gêne pas. Voilà, j'en étais sûr. Mais qu'il est con. Meurs pas comme ça, Nathan. Je vais te dire, mec. Sous tes airs de sale frimeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux. Qui aspire, en fait, à la grandeur. Et qui manie l'épée comme un pied. Adieu, la tendresse. Non, c'est il va pas mal comme ça. Sam. Tu sais vraiment pas t'arrêter, c'est fou. Défends-toi. Tiens, résiste. Toujours tout donné. Sur saloperie de plateau d'argent. J'ai voulu accepter ça. Oh merde. Ça, je l'ai gagné. Ça m'appartient. Trésor, Rafe. Alors prends-le. Quoi ? C'est pas vrai. Mais c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Allez, viens, on va te sortir de là. J'y arrive pas. C'est trop lourd. Essaye encore. Ça sert à rien. J'y arrive pas. Allez. Attends. Écoute-moi. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était trouver ce trésor avec toi. On l'a trouvé, pas ça. On l'a trouvé, petit frère. Tout va bien. Il doit bien y avoir un autre moyen. Tu dois me laisser. C'est forcément quelque chose. Tu dois me laisser. C'est obligé. Il n'y a plus rien à faire. Nathan, j'ai besoin d'être sûr que t'en es sorti. Intelligent. Oula. T'es vraiment un sale petit bête. Il était à bonne école. Et Nadine, il faut pas oublier Nadine par contre. Je sens qu'elle va arriver de nulle part avant de buter, hein. On va rien comprendre. Sam il va super vite. Nate!
Ouais. Ça y est, je les ai trouvés, Sully. Vous êtes où? On est juste là. Bon, t'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Surtout, ne gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de t'aider, t'as compris? Juré. Je te remercie. Et gaffe à toi, petit. Et on reste en contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Qu'est-ce que tu lui racontes, là? Alors comme ça, tu voulais être magicien? Je te déteste. C'était quoi ton nom de scène? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Ouais, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes. Elena non, et moi, mais non, t'inquiète, parlé. C'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça, mais... Je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti... satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... Vide total. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final, on ressent toujours la même chose. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et ce à quoi on renonce. Bah... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. Je t'en ai quand même laissé quelques-unes. C'est trop gentil. Ah, tiens, c'est notre taxi. Bien. Sam, on revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok? Allez, barre-toi, brigand. Ok, bah ça ouvre la voie, je trouve, à d'autres Uncharted, en fait, avec Sam. Ouais. Alors, Victor, qu'est-ce que t'as prévu, Bah, avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte, Dangereuse? Oh, vu mes partenaires, oui. On peut dire ça. Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh là, je sais pas. Il est digne de confiance? Plus ou moins. Il parle portugais? Quando o seu marido voltar para casa? Et ça veut dire quoi? Dans combien de temps il rentre ton mari? Allez. Il te resterait pas un de ces cigares? Pousse pas trop le bouchon. Ok.
Non, sympa, sympa, sympa. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Très, très bien. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as décroché un gros contrat? Oh, bien mieux que ça. Sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Et si. Waouh! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié. Mais finalement, on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester? Non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille et que je me laisse aller au plus dur. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout racheter? Non, bah c'est toi. Quoi? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas là? Salut! Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que t'es venu faire là? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais. Parfait. C'est vrai tout ça? Nate. Ne perds pas de vue que ce sera un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. Tu m'appelles après? Je le ferai. Salut. Salut. Tu vas acheter Jameson Marine? On va acheter Jameson Marine. Oh. Ok. Comment? Et pourquoi? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie, et je me suis dit que c'était pile dans non, nos cordes. Non, chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors, accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal? Regarde. J'étais au courrier ce matin. Elle est en règle? Ouais. Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations malais. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui que ce soit. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Tiens. Donne-moi la main. Quoi? Allez, donne-moi la main. Allez! Est-ce que tu l'as trouvée? Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée? Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat. Ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre? Ouais. Comme on est parti pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que toutes ces aventures qu'on a vécues. Tout ça me manque, Nate. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, ok? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages. Avec, bien sûr, mon matériel dernier cri. Waouh. T'as bien réfléchi à tout ça, on dirait. Oui, plus ou moins. Mais tu sais, t'as qu'un mot à dire et j'annule tout avec Jameson. Quoi? Non, 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 non. Moi, je veux pas être le salaud qui va tuer dans l'œuf le rêve de Jameson. Ce serait cruel. C'est vrai, oui. Ça va pas être facile.
comme tout ce qui en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan Drake ? Je dis, lançons-nous. Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. J'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupée avec mes tournages. Et moi, je serais bien trop occupée à plonger. Bon, d'accord. On le fera chacun notre tour, alors. Ok. Ou alors, on pourrait le jouer à qui tout double ? À mon jeu ? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Non. Si, et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Je te jure. Tu veux vraiment que je t'en mette la pâtée ? T'as peur de perdre ou quoi ? Contre toi, sur une échelle de 1 à 10. C'est génial. Je dirais 3. Ouais, arrête, sois honnête et dis plutôt que t'es à 11. Mais t'inquiète. Imaginez Nathan, il sert. Et voilà, c'est reparti. Ok. Ok. Tu l'auras voulu. Ce dialogue. Imaginez Nathan, il s'est... Oh, bah c'est ce que j'allais dire. Imaginez Nathan, il s'est amélioré à Crash Bandicoot. Allez, on va essayer de battre le record. Par contre, attendez. Hop. Et ils ont changé. Ouais, je sais plus, ça a pas l'air d'être... Tant pis. Ça a pas l'air d'être la même télé. Enfin, je me souviens d'un écran plat. Mais en tout cas, j'ai adoré ce petit ending. Pour Sully qui continue, c'est Magoo et Sam qui va le suivre. Donc ça peut donner lieu à de prochains Uncharted. Enfin, des spin-offs en tout cas. Donc c'est cool. D'accord. Nathan qui... Bah qui se pose avec Elena et qui vont continuer leurs aventures mais en légalité. Elena c'est la femme parfaite. Hein. Elle l'a prouvé tout le long du jeu. Et là elle vient de le reprouver. Donc bon. Non franchement j'aime bien. Et je me demande si Crash Bandicoot ce sera la dernière chose jouable. Ce serait un troll là de Naughty Dog. Genre une de leurs anciennes licences c'est la dernière phase jouable de leur nouvelle licence. Ce serait... C'est terrible. Ok, go. On saute. Et c'est parfait. Est-ce que j'ai battu le score? Je pense pas vu que je suis mort, mais... Ah, presque. Je suis déçu. Oh, c'est une manette de Play 2 en plus. Qu'est-ce qu'il faut ? J'y crois pas. Épilogue. Oh ! Ah ! Il est mourir ! Ça, c'est collector. Tu m'étonnes. Crash Bandicoot. Ah, putain. D'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé un remake. Enfin, une suite, en fait. Enfin, je sais qu'il y a eu des rumeurs sur Crash Bandicoot dernièrement. Donc, on va voir l'E3, on va bien voir. C'est bientôt, d'ailleurs. Je crois que c'est le 15. Non, une autre fois. On peut visiter, fin d'année. Ça, c'était chez Nathan, la dernière fois. Enfin, dans sa maison d'avant. Un globe. Ah.
Super. The Nameless City. Ah, c'est... Non. C'est pas une référence aux comics d'Uncharted ? La nana, elle me dit quelque chose. Starlight 2... Et des vélos et tout. Ah, oh, ça va être... Ah, oh, c'est génial. Bon, je pense que... Enfin, je pense... Enfin, ça se trouve, je me trompe, mais c'est la fille de Nathan et d'Elena. En tout cas, elle ressemble beaucoup à Elena. Donc, à voir. Elle ressemble à Nathan aussi du... C'est vachement bien fait de ce côté-là. Elle ressemble vachement à Nathan du visage. Mais elle a l'air d'Elena aussi. Enfin... Les cheveux, peut-être. Attends, attends, d'abord je visite. Là je vois. Elle fait ouh, j'imagine bien Nathan sortir des couvertures là en mode bouh. Oh, c'est vraiment beau. Ah, on va se retaper du fanservice, ça c'est génial. Hmm. Oh! Ah. Sully. Ah, énorme. Ah, cette tête. Waouh, ça m'a l'air tellement jeune. Waouh, la classe. Ils ont voyagé et tout, hein. Ils ont des chameaux. La classe. Vachement classe. Elle est jolie la photo de gauche là avec Elena. Waouh. Et je suis en train de trembler là. Oh. Attends le chien, attends. Comment tu t'appelles déjà? Elle a pas dit son nom? On peut pas fouiller. Arrête d'aboyer. Une baignoire. Ok. Où tu veux que j'aille? Je crois qu'ils nous ont abandonnés. Moi, t'es trop mignon. On peut pas le caresser, c'est dommage. Alors, voyons voir. Maman a des goûts trop bizarres en musique, mais j'aime bien celle-là. Sympa. Ok, ça fait vraiment le son quand on touche. Si je peux lui taxer. C'est pas celui que Nathan et Sam avaient utilisé quand ils étaient gosses. Je cherche des références un peu partout dans les décors, mais tant pis. Il est où le... Toutou. Mary, t'es où? Mary, c'est le nom de ma chienne. Hein. Du coup, je vais l'appeler Mary parce que je connais pas son nom à lui. Ou elle. On pourrait trop faire une soirée ici. Il ne saurait jamais. Tu me fais la visite, c'est ça? Sailing, si please. Elena... Quoi? Kuba Gear. Lunch. Underwater camera et fishing pole. Des trucs de pêche. Une caméra waterproof. Waterproof, oui. Ah, d'accord. Mais juste un seul. Un deuxième, un deuxième.
D'accord. Mais je te préviens, c'est le dernier. Ok ? Je fais tout le temps ça avec ma chaîne, moi aussi. T'as un dernier. Oh, on peut pas. Désolé. Machine à laver. Encore des tableaux qui étaient chez Nathan avant. Les toilettes. Fais voir son, de plus près son visage. Ah, elle est charmante. Oula, une lettre. Oh, trop cool. Sam et Sully vont venir nous voir. Ah, c'est Sam et Sully. Nous sommes assis dans un minuscule café au beau milieu d'une rue animée de la Havane à siroter ce qui pourrait être le meilleur expresso de ma chaîne de vie. Ça, c'est Sam. Non, ça, c'est Sully. Rien à faire. Personne n'est à nos trousses. C'est bizarre, la retraite. C'est bien, mais c'est bizarre. Ouais, c'est Sully. Sam me dit, dis-lui de remplir le frigo avec de la bière moins merdique avant qu'on arrive. Je ne fais que répéter ses paroles. Sam me rappelle aussi que tu as perdu le pari contre nous deux. 2 mois sans fumer et je suis à Cuba, bordel de merde. Eh, pas mal, pas mal. Sinon, parce que Sully, il adore les cigares. Et les cigares cubains, c'est... Voilà. Bref. Embrasse les filles, dis à Cassie. Cassie, d'accord. Donc elle s'appelle Cassandra, j'imagine. Cassandra. Casse bonbon. De faire chauffer le placo de backgammon. Je veux ma revanche. J'ai hâte de revoir tout le monde dans quelques semaines, ton ami Victor. Ah, sympathique. Regardez-moi ces deux-là. Il a l'air d'avoir rejeuni celui d'un coup. Bizarre. Ok, vachement sympa. J'ai bien aimé celui qui essaie de carrette de fumer. Alors qu'il est à Cuba, le pauvre. Ça fera l'affaire. Est-ce que c'est bien fait quand on mange la pomme ? La mange ? On veut pas. Très bien. La lettre, on l'a déjà lue. Ici, il n'y a rien. Ils habitent au bord de la plage. Wow. Attendez. J'ai envie de rien rater. Genre vraiment rien. La lettre, on l'a déjà lue. Pas de décor que j'ai raté, non. Ok. Hey. C'est ça, va. Oh, la classe. Le rêve, Il doit y avoir des marées quand même, donc... les marées hautes, etc., ça doit être chaud. Magnifique journée. Il ne reste plus qu'à retrouver le reste de l'équipage. Ils ont un bateau carrément, putain. Ils ont des canoës. Bon, la voiture est là. Oh, ils ont peut-être été enlevés par des créatures d'une autre dimension. Ou ils sont partis au magasin à pied. Et des vélos. Elle peut pas faire style... On l'a tous fait, enfin... Moi je l'ai pas fait en fait, mais tout le monde me dit qu'ils l'ont déjà fait. De conduire sans permis. Moi je le fais pas. Et même avec le permis je conduis pas, alors... alors sans le permis, laissez tomber. Ah,
Ah mais moi, ah mais j'aimerais trop habiter sur un truc comme ça là. Genre t'en as marre, t'es en colère et tout, tu sors, tu sautes. Tu sautes dans l'eau. Oh là là. Il est où le toutou? Ils font des feux de camp et tout. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont la belle vie. Oh, ils ont même une véranda, une planche de surf. Ouais, bizarre. Le bateau. Une autre maison. Ah non, c'est la nôtre. Par contre, là, il y a une autre maison. On va d'abord au bateau. Quoique. Ah non, c'est le chien. Je veux dire, c'est Elena, mais non, c'est le chien. On va voir la maison d'abord. Non, le bateau, le bateau. Y a quelqu'un? Non? Rien? Ça va, Vicky? Vicky? Attends, j'écoutais pas. J'ai détourné le regard 2 secondes. Et hop. Alors, ma belle, où sont papa et maman? Allez, va les chercher. Allez. Ok, je vais me débrouiller. Trop mignonne. Bon, la nourriture est là. En tout cas, c'est génial. Ah, j'adore. Là, je voulais voir si on pouvait les voir. Si on pouvait les voir par la fenêtre, mais pas du tout. Ou si je ratais rien. La porte est ouverte, ok, ils sont là. Ça se trouve, on va les voir, ils vont avoir 70 ans, on va rien comprendre. Non, Non, ils je pense sont pas pas. là non plus. Ok, alors je crois que je vais les attendre. Je pense qu'ils l'ont eu assez rapidement. Parce que sur les photos, ils semblaient quasment de la même époque que Uncharted 4, enfin Waouh! que le jeu. C'est super C'est bien quoi ça? nettoyé. Ok, il continue, non? Non, je sais pas. Donc ouais, je pense que c'est genre 13 ou 14 ans après, ou La fille 15 n'est pas même. retrouvée. Gate. Ok. Ils ont l'air de continuer à faire des... Regarde-toi, t'es toute pétillante. DF Fortune. Ah, Drake et Fisher. Oh, c'était vraiment mes fouilles préférées. Oh, Elena, les cheveux détachés. Elena, les cheveux détachés. What? Je me souviens de celle-là. Ok, donc en fait, ils font des aventures, mais genre légalement, et c'est. Ils ont l'émission de Elena et tout, et du coup, ils passent dans des magazines et tout. Oh, il y a Sam, Sully, Nathan. Sam, Nathan et Elena. Archaeology Now. Archaeology Now. Ah, c'est super génial. Les restes d'une ancienne Ah ruine. ouais, j'étais partie avec Sully cette fois-ci.
Ok. D'accord, donc ils continuent leur truc, mais moins. Avec moins de tuerie, j'imagine. Voilà qui réduit déjà pas mal la zone de recherche. Ok, ils ont fait une triangulation, mais c'est où? Pista, pisto, pista. Vulca. Quoi? Vulca. Yucatan. Oui, Yucatan, d'accord, oui. Ok. Donc ils sont sur la piste d'autre chose. Oh, la classe. Avec le chien derrière. Qui est en train de mater le boule de ce lit, mais bon. On dirait qu'il va les bouffer. Vachement classe. Et je suis en train de trembler depuis 10 minutes là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est pas la tour qu'on a escaladée à Madagascar? Ça y ressemble assez. Là aussi. C'est vraiment débile. Ah, c'est elle. Ok, donc ils emportent leur fille dans leurs aventures et du coup elle apparaît elle aussi dans les magazines. Il a laissé ses clés. Attends, il a laissé ses clés. Ah, le placard. Mais attendez. Simplement. Ah, tous ces souvenirs. Ah, j'en étais sûre. Ça donne la chair de poule. Mais c'est cool. Ok, donc ça c'est Uncharted 4. XVIe siècle. Uncharted 3. Mais d'où ça sort? Ah, elle connaissait pas ça? Eh ben non, vu qu'elle voulait ouvrir le placard. Une pièce de pirate? On dirait Ah, un c'est sceau le. d'Avril. Mais ce serait pas le sceau d'Avril? Ah, ça c'est la pièce de Sam. Mais du coup, elle sait pas que. Enfin. Une photo de Sully et Nathan. Attends! Est-ce que c'est le trou d'une balle? Le trou d'une balle. Ah oui, dans. Uncharted 1, je crois que c'est le début d'Uncharted 1 quand Sully se fait abattre devant nos yeux. Et qu'au final, bah non en fait. Et qu'on pensait qu'il nous avait trahis et tout, mais non. Il me semble que c'est ça, j'ai peur de dire une connerie. Eh mais du coup, s'ils font tout légalement, ils ont pas dû avoir de fusillade ni rien, du coup elle va être choquée. Ah! C'est peut-être pour ça qu'il lui cachait. Ouais, je sais pas.
Et du coup, il manque le bouquin. Mais les bouquins dans ce jeu, ça annonce toujours la suite du jeu, du ça coup. Voilà, j'étais sûr. Je l'ai vu venir à des kilomètres, celui-là. Wow. Ah, c'est celui de sa mère. Incroyable. Enfin, de sa grand-mère, plutôt, maintenant. Evelyn a acheté auprès d'un collectionneur. Ouais, Evelyn, c'est la mamie qu'on a vu mourir. Donc ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà lu, ça. Wow. Henri Avery. L'histoire générale. Parti à la recherche du trésor d'Avery. Nassau. Ok. J'ai discuté longtemps avec Evelyn, mais ça on l'a déjà lu ça, non? Ouais, et là il se retrouve au début d'Uncharted 4 là, quand avec la tour dans la prison, etc. Elle savait pas comment faire, du coup elle a abandonné. Merde, trompé de bouton. Il y a une photo. C'est pas vrai. D'accord. Je comprends mieux d'où pourquoi on avait fait cette photo à l'époque. J'ai trouvé la grandeur des petits débuts. Ça c'est Uncharted. J'ai trouvé ça dans ma vieille on my old camera. Dans ma vieille caméra, je pensais que tu pourrais la voir. Sur la base de ces analyses, je pense pouvoir dire avec certitude que... Attendez. Bon, mettez pas, je vais pas tout lire parce que... Mettons de côté l'enquête de Burns Avery quelques instants. Il me reste encore trop de travail sur Sir Francis. L'emplacement des lettres est similaire, ce qui ne prouve rien. La lettre à Walshingham montre des F minuscules caractéristiques sans barre. On peut ainsi remarquer dans l'échantillon F. James... Un caractéristique qui tombe loin en dessous de la base, inclinaison des lettres, les signes de lettres. L'analyse de l'encre indique une uniformité, une détérioration et un âge similaire. Et que l'échantillon de la lettre FGN a détaillé de sa mort simulée. Ah oui, ben Uncharted 2. Pas Uncharted 2, Uncharted 1. Je crois que ces nombres ont une signification et que Margaret a été consciente. Je dois en discuter plus longuement avec Evelyn. Dessin de l'anneau. J'ai trouvé ça d'un... Que tu aimerais la voir, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah. C'est quoi ce délire? Ah oui, putain, il y a le trésor et tout. Oh merde. Oh Ah bah te voilà. Coucou. Tu te cachais où? Qu'est-ce que tu faisais là? Bah, je vous cherchais. On a fini de charger le bateau. Tu viens? Cool, partez devant, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi? Il faut juste que je... Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Vous fâchez pas. Il a pas l'air content. Les clés. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Rien d'intéressant. À part cette vieille photo de vous deux et Sully. Avec un trésor sûrement espagnol. Et un fusil à pompe. Oui, c'est vrai que le fusil à pompe aussi, ça doit être choquant pour une gosse.
fallait bien que ça arrive un jour. Donc on devrait lui en parler. Non, elle n'est pas encore prête. Prête pour quoi, toutes ces conneries dans votre placard? Mais pas de gros mots. Oui, pas de gros mots. Désolée. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard, ou du moins, on aurait dit une sorte de crâne en argent. Bon, en fait, je crois que c'est moi qui suis pas prêt. Vraiment. Nate, il faut qu'on lui explique. Oui, c'est le moment idéal. Mais qu'est-ce que vous devez m'expliquer exactement? Elle est trop jeune. Elle est plus vieille que Sam et toi quand vous avez commencé. Mais non, ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Bon, écoutez, si vous trempez dans des magouilles douteuses, ça m'est complètement égal. Oh. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas? T'es gonflé, toi. T'as plus peur des squelettes? Ah, très drôle. Maman? Très bien. Alors, comment t'expliquer? Pour moi, tout a commencé quand ce type m'a appelé pour m'informer en exclusivité d'une découverte historique majeure. Au début, j'ai pensé que c'était un arnaqueur. Oui, mais beau gosse, l'arnaqueur. Peut-être, mais je l'avais encore jamais vu. Oui, il savait. Il savait. Donc cet arnaqueur, il m'a dit, financez cette expédition et je vous donne le cercueil de Sir Francis Drake. Et pour information, j'ai bien tenu ma parole. Tu parles. Tu nous as abandonnés aux mains des pirates indonésiens. Oh, t'exagères. J'avais rien à voir okay, avec ça. Ok, attendez. Temps mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez été attaqué par des pirates après avoir découvert le cercueil de Sir Francis Drake, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Putain de merde. Non, pas de gros mots. Punaise. C'est mieux. Bon, allez-y, continuez. Vous savez quoi? Le soleil brille, le bateau est prêt et il y a une légère brise. Vous voulez continuer à en parler? Alors on va le faire sur l'eau. Vous venez? Mais attends, de quoi il avait l'air Francis Drake? Décomposé? Il n'était pas dans le cercueil. En fait, il y avait que son journal et une carte de l'Eldorado. La fameuse cité d'or? C'est la légende, mais en fait, c'était qu'une statue. Une statue maudite. C'est pas vrai, tu rigoles? Non, non, je t'assure. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tu vois, cette carte, elle nous a prouvé. Wow. Je sais pas quoi dire. Je suis amoureux de cet épilogue. Si cet épilogue était une femme, je lui ferais l'amour. Vraiment. Et la petite larme qui est coulée là. Je fanboy là. Moi j'étais un gros fanboy du Elena. Elena Sully. Non, pas du tout. Du Elena Nathan. Du coup, ça fait plaisir. Je m'attendais à ce qu'il y ait un mort, je me suis dit que ça me décevrait une fin happy ending comme ça, que ça me décevrait. Mais j'adore. J'adore cette fin, même si elle est happy ending. J'adore. Et en plus on a vu Elena avec une queue de cheval, donc ça ne pouvait qu'être parfait pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un fétichiste des queues de cheval. Des féminines, hein. Pas des queues de cheval masculines, s'il vous plaît. Mais ouais. Il y a ma mère qui est en train de décéder en haut.
Je sais pas quoi dire. Là, je devrais donner mon avis sur le jeu à chaud et tout, mais je suis tout chamboulé par cet épilogue. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais enfin, un saut dans le temps et tout, je m'attendais pas à ça, vraiment. Pourtant, c'est classique, hein, ça a été fait dans plein de trucs. Mais là, ça marche. Et je suis en train de saigner du nez. Alors ça, c'est parfait. ah, merde. Et j'ai pas de mouchoir à côté. Bon, je vous laisse avec le générique, je vais me chercher un mouchoir en attendant. Ok, bon, je suis blessé, désolé. J'ai commencé à saigner du nez d'un coup. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus avec tout ça. Alors désolé si ma voix est un peu bizarre, mais du coup il y a le mouchoir dans le nez et c'est un peu dur de parler comme ça. Mais bon. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, je... Putain, ça coule. Oh, merde, mais attendez, ça coule. C'est horrible. Je suis en train de me... Oh, c'est horrible. Heureusement que je fais pas de face commentary, ça aurait été dégueulasse. Oh putain. Horrible. Ah, oh, j'en ai foutu sur mon short. Ah, oh, je suis dégoûté. Ah putain, je suis dégoûté. Mais ah putain, il y a la larme qui est tombée de l'œil, il y a le nez qui saigne. Putain, cet épilogue, il m'a fait de l'effet. C'est pas la musique qui jouait dans la Jeep là avec Elena. Je pense que c'est mon passage préféré du jeu. Et c'était vachement énorme. Mais sa race, je crois que... Bon, si vous voyez jamais cette vidéo, c'est que je suis mort. Parce que j'ai jamais autant perdu de sang. C'est horrible. Mais donc ouais, pour le jeu, je vais quand même donner mon avis parce qu'il y a le générique qui tourne. Un très bon jeu. Par contre, alors, je suis vachement déçu d'un truc. C'est que... comment dire ? C'est Nadine en fait. Nadine, elle nous a enfermés avec Rafe. Mais elle a disparu. Enfin, on sait pas ce qu'elle est devenue. Enfin, elle a disparu. Et elle a même pas été traitée. Enfin, je vous disais juste avant, je me souviens, je vous disais que j'aimerais bien qu'on ait une petite partie sur Nadine. Et juste après ça, elle disparaît. Sans laisser de traces. Un peu déçu. Vachement déçu même. C'est du gâchis, je trouve. Parce que j'ai trouvé vachement classe. Elle était intéressante et tout. Et elle est pas traitée. C'est dommage. C'est un peu dommage. En tout cas, ouais, bah, pour en finir avec l'histoire... Ah, je me suis mordu la langue. pour en finir avec l'histoire d'Henri Avery, bah, du coup, il s'est pas suicidé, non. Il s'est entretué avec Thomas Tew. Tous les deux, ils ont fait des magouilles et tout pour rassembler tout cet or. Pour ensuite assassiner leur maître, enfin leur compagnon, pour pouvoir leur voler tout l'or, et après ils ont voulu s'entretuer entre eux.
Là, je me suis mordu la joue. Je crois que je vais mourir avant la fin de cette vidéo. C'est horrible. Donc, ouais, ils se sont assassinés. Donc, ma théorie était plutôt juste. Comme quoi, ils ont rassemblé des pirates pour leur voler leur trésor. C'est plutôt juste. Donc, ouais, je suis plutôt satisfait de moi, là, pour le coup. Bon, c'était pas non plus surréaliste. Enfin, insurmontable comme histoire, enfin... Non, pas insurmontable, mais je trouve pas mon mot. Mais comme quoi, c'était pas dur à deviner. Bon. Niveau gameplay, c'était génial. Je trouve, par contre... Alors, je trouve qu'il y a pas beaucoup de... comment on appelle ça? De gunfight. Je m'en souviens à peine d'une dizaine dans ce jeu, alors que... Je sais pas, à moins qu'il m'ait pas marqué. Mais ouais, je sais pas, je m'en souviens pas beaucoup. Je trouve qu'il y avait moins de gunfight en fait, qu'il y avait beaucoup plus de parlottes, de marche à pied, de plateforme, etc. Bon, c'est pas forcément un mal. Franchement, j'ai préféré ça parce que ça nous permettait de... Bah d'écouter les personnages qui racontaient leur vie, etc. Donc j'ai bien aimé. Enfin bref, ouais, il va falloir que je me... Je sais pas si je ferai une vidéo pour donner mon avis sur le jeu après avoir un peu pris du recul, etc. Parce que là, je suis encore un peu sous le choc de l'épilogue. Là, j'adore cet épilogue. Je pense que quand j'aurai fini le let's play... Enfin, de l'uploader sur YouTube, parce que je re-regarde mes vidéos avant de les envoyer pour voir si tout va bien. Je pense que je pourrais me faire un peu du recul sur le... Enfin, je pourrais avoir du recul sur le jeu et je... Peut-être pas une vidéo, en fait, ouais, je sais pas. Mais il faudra que je donne de toute façon mon avis sur certains sites. Du coup, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Sachez que... Je pense pas que ce soit mon Uncharted préféré. Peut-être le 4, non, le 2 plutôt. Le 2 restera mon préféré, puis ensuite. Ouais, ensuite vient le 4. Ensuite vient le 4, ouais. Je pense que c'est un très très bon Uncharted. Pas le meilleur, mais un très très bon quand même. Voilà. Voilà, voilà. Et je saigne encore du nez, c'est un truc de fou. C'est horrible. Ah, j'ai un truc. J'ai oublié de regarder le carnet de Nathan. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème de son dans cette vidéo. Parce que sinon, je vais m'énerver vu que mon logiciel s'est remis à zéro. Et que je me souvenais plus des réglages exacts. Mais enfin, bref. C'est génial de saigner du nez pendant qu'on parle. Il n'y a pas une scène... Non, je pense pas qu'il y ait de scène après le crédit. Ah là là. En tout cas, en ce moment, je saigne beaucoup du nez, c'est un truc de fou. Mais autant, là, c'est bizarre. Ça, c'est parce qu'il y a les examens qui approchent. Enfin, qui approchent. Il y a rattrapage plutôt qui approche. Ça me fait stresser. À chaque fois que je stresse, je saigne du nez. Donc, bon. Ouais, bah, sinon, voilà, je sais pas du tout quoi dire. Elena, c'est la femme parfaite. Voilà, ça, je le répète, mais voilà. Nathan, bon, il m'a énervé dans le jeu. Quand il repartait à l'aventure, au lieu de rester avec Elena, etc., il m'a énervé. De toujours faire les mêmes erreurs. We would like to thank each individual. D'accord. Nathan qui m'a énervé, mais au final, voilà, il est égal à lui-même. Sully, pareil. Enfin bref. Ah, c'est fini. Ok. Bon, ben, fin de truc. Très bien.
Ok. Bon, ben voilà. Ben, je pense qu'on a fini le jeu. Bon. Ben, j'ai pas le courage d'aller de lancer une nouvelle partie pour voir le carnet de Nathan. Tout ce qu'on a réglé. Putain de merde. Voilà, j'ai pas le courage parce que je suis en train de mourir là. Vraiment. Oh putain, c'est horrible. Donc je vais devoir me mettre fin à cette vidéo. J'en ai foutu partout par terre. Je crois que je vais vraiment mourir après cette vidéo. Bref, désolé d'écouter comme ça, mais merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez regardé. J'espère que vous avez bien aimé malgré les problèmes de son au début du jeu. Et du coup, bah, à la prochaine, si je décède pas, parce que là, j'ai repeint mon parquet en rouge. Bref, à la prochaine. Horrible.